Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I'll run up the racks like an athlete. Allez, avant de commencer cet avant-match, chers supporters, merci d'applaudir et d'encourager les gardiens du FC Nantes, Alban Lafont et Denis Petrić. I be on her mind like nonstop, yeah. Had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. Sex a couple of days, yeah. Lost a lot to defend. That's the shit got me upset. But at 8, then I finally thought, yeah, I'm smoking with doggy, I'm smoking with 4-4, I'm a zombie. This a girl, what she want? These white boys think I'm cocky. My puppets feel like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like an ice. Smoking on kid, like I eat a coffee. My bitch, drip like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like an ice. Smoking on kid, like I eat a coffee. Remember way back, she was loving. These bitches sneaky can't cope. I got four with different tubs. I remember. Nous sommes le dimanche 17 avril, il est 14h, et dans une heure, les deux équipes du jour, le FC Nantes et l'Angesco donneront le coup d'envoi de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue à vous supporters qui êtes ici au stade de la Beaujoire et bonjour à vous qui êtes derrière vos écrans si vous n'avez pas la possibilité d'être présent ce soir, cet après-midi plutôt, au stade. Vous le savez, on a depuis le début de la saison instauré un live d'avant-match qui va vous permettre d'avoir différentes informations. Au programme de cette journée particulière puisqu'il s'agit du 2000e match du FC Nantes dans l'élite du football français, D1 et Ligue 1 mélangés bien évidemment. On va parler du programme de cette 32e journée qui a commencé vendredi avec le Rennes Monaco. On parlera bien sûr des groupes retenus et des compositions puisque nous l'avons. Trois joueurs emblématiques tout à l'heure parleront de ce souvenir du premier match qui a eu lieu le 31 août 1963. Je vous le disais, c'était le 2000e match aujourd'hui. On aura notamment Coco Suedo à nos côtés. L'anniversaire qui débute bien sûr, l'info billetterie pour le prochain match qui sera dimanche prochain avec la réception de Bordeaux et la composition du FC Nantes, je compte sur vous, vers 14h50. Nous rendrons également un hommage assez vif à Jean-Yves Hervouet qui nous a quittés il y a quelques jours. Et tout ça, ça sera avec vos applaudissements bien évidemment. L'arbitre du match pour cette 32e journée et cette rencontre entre Nantes et Angers sera Bastien Dechepy, assisté de Brice Parinet et de Steven Terogrossa, quatrième arbitre Rémi Landry et à la vidéo Benoît Bastien et Abdelali Chaoui. Et puis bien sûr, vous le savez, à chaque match, nous avons des ramasseurs de balles et je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît les U15 et U16 du FC Rezé. Allez, je vous laisse avec quelques images de l'échauffement et puis on se retrouve d'ici quelques instants pour parler du programme de cette 32e journée. A tout de suite. Told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Yeah, yeah. Ooh. I've been buying 40 once I heard the 36. I can tell 100 stacks by I am a mathematician. Just when many plays up from my dealer, I get commission. I'm walking, I got my bitches on this big exhibition. If a Wi-Fi connected ain't the first time. Oh, quarter million and a Hermes, Hermes shoulder. In Dubai. On va afficher d'ici quelques instants le programme justement de cette 32e journée qui a commencé, je le disais, vendredi avec la défaite du Stade Rennais 2-3 face à Monaco. Hier, eh oui, ça fait plaisir. Hier, Saint-Étienne a battu Brest 2-1. Lille a perdu le derby du Nord face à Lens 2-1. Et cet après-midi, Nice-Lorient qui est en cours, Metz-Clermont, Montpellier-Reims, 3-Strasbourg. À 17h, Lyon-Bordeaux, vous avez les scores qui s'affichent et le programme dans les écrans géants. Et puis on terminera cette 32e journée de Ligue 1 avec le classico entre le PSG et Marseille. Un point rapide pour le classement, Nantes est 9e avant ce match et Angers 14e d'un classement qui est toujours bien sûr dominé par le PSG. Allez, d'ici quelques instants, on va également remettre le trophée du joueur du mois de mars
à Quentin Merlin. C'est vous qui avez décidé de d'élire le jeune latéral nantais formé au FC Nantes. Je vais vous donner quelques infos concernant les groupes qui ont été retenus. Le groupe Angevin avec Petkovic et Mandrea pour les postes de gardien. En défense, Thomas Ebossé, Kala Traoré, Bamba et Vincent Manceau. On a également au milieu Mendy, Bentaleb, Capel, Unai, Mangani, Belkib et Taibi. Et en attaque, Boufal, Fulgini, Jacolis, Shaw et Casimir Ninga. Et puis, côté nantais, les gardiens, vous l'avez vu tout à l'heure avec l'échauffement, Lafont, Petric. En défense, Appia, Castelletto, Corchia, Giroto, Fabio et le retour de Nicolas Palois. Et milieu, Blas, Chirivella, Cyprien, Merlin, Moutoussami. Et en attaque, Augustin, Boukari, Coco, Koulibaly, Jebels, Colomani et Simon. Allez, on vous laisse avec quelques instants encore une fois les images de l'échauffement et on se retrouve pour remettre ce magnifique trophée du Canari du mois à Quentin Merlin d'ici quelques instants. A tout de suite. Beast from the streets had to make it out. I only knew a vacant house. No heat, cold winters. Grew up a winner. I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant master splinter. Past the finish, now my goal infinity. Victorious, mine in the future. My crew rolling DeLoreans. Any person who want war, throw in the gloves. You ready to spar? I've been a rose in the thorns, holding the keys. Time to succeed. Now the haters on their knees. Allez, c'est le moment de remettre le trophée du Canari du mois de mars. Et c'est un doublé pour Quentin après avoir été élu en février. C'est un doublé avec le mois de mars. Alors, qui va remettre le trophée? Je vous laisse, pour vous, je vous laisse le remettre à Quentin directement avec 41,81% des voix. C'est donc votre Canari du mois, by Ilian. Il s'agit donc d'un doublé, je le disais, pour Quentin qui a notamment délivré une dernière passe décisive pour Randall le week-end dernier face à Brest à l'occasion du match nul. Il avait déjà fait une passe D pour Randall également. C'était face à Clermont et cette belle victoire. Je vous demande d'applaudir chaleureusement et faire du bruit pour votre numéro 29, Quentin Merlin. I'm on my way, doing my flex, running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life and on to the next. Bravo Quentin, applaudissements encore une fois pour Quentin Merlin, s'il vous plaît. Supporter du FC Nantes. Qui me permet de rebondir effectivement lors de la dernière journée. Match nul entre Brest et Nantes, un but partout avec le but de Randall, je le disais, sur une passe de Quentin Merlin. Et Angers également a fait match nul chez lui, face à Lille. Et d'ici quelques instants, les joueurs ne vont pas tarder également à sortir pour l'échauffement. Je vous donne encore quelques infos sur les deux équipes. Le classement offensif, est-ce qu'on va voir des buts aujourd'hui à la Beaujoire? Nantes est 11e avec 40 buts inscrits, Angers 14e avec 35 buts. 7e défense pour nos Canaries avec 34 buts encaissés contre 45 pour Angers. Et la série sur les 5 derniers matchs, 2 victoires pour les Canaries face à Clermont, notamment 3 buts à 2. Et puis également une victoire sur les 5 derniers matchs pour le SCO d'Angers. Les meilleurs buteurs côté nantais, ils sont 2. 12 buts pour Randall Colomani, 9 pour Ludo Blas, meilleur passeur Simon avec 7 passes. Et côté Angevin, 7 buts pour Sofiane Boufal, 6 buts pour Thomas Mangani. Et le meilleur passeur Angevin s'appelle Jimmy Cabot avec 7 passes. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants pour l'entrée des joueurs. A tout de suite. Si l'on devait tout résumer, on pourrait vous dire que Ilian est simplement une société spécialisée dans la transformation digitale. Mais Ilian, ce sont des années d'engagement, d'agilité et d'esprit d'équipe. C'est un acteur majeur de l'IT qui vous accompagne dans tous vos besoins digitaux. Hébergement, cloud, infrastructure IT. Mais Ilian, c'est surtout un groupe d'experts et de passionnés qui collaborent pour sans cesse repousser les limites et répondre au mieux à vos besoins. Ilian,
ensemble pour construire l'IT de demain. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you trying to eat up producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you trying to cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline at that principle. Ha! I've been scheming up a plan, hey, I've been saving all I can, hey, you can call me David Rams, hey, the way I handle these bands, hey, we ain't messing with. Allez, supporters, faites un maximum de bruit pour les joueurs et votre équipe du F. C'est non. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. Yo, look. I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'. Who been out here making profit? Told my mama that I got this. I wonder if she noticed what my job is. I don't know how I'ma make it, but I know no matter what, I'm finna find a way. All my homies finna eat and I ain't letting no one on my team look at an empty plate. Yeah, yeah, yeah. Went from a boy to a man, ay. Every day been making plans, ay. They don't really understand, ay. Gotta look out for the family. I won't fall for any scam, yeah. Only worry about the fans, yeah. I won't compromise the brand, yeah. I've been saving all the bands, whoa. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it.
Du début, des bulles qui nous éclatent. Allez, vous le savez, à chaque match, on fête l'anniversaire d'un jeune supporter du FC Nantes grâce au partenariat entre le FC Nantes, bien sûr, et Kiddy Bull. Il va arriver à côté de moi aujourd'hui, c'est Nolan, qui a eu 11 ans le 7 mars, qui va venir à mes côtés. Viens là, Nolan, viens me voir. On peut applaudir Nolan, s'il vous plaît, public du FC Nantes. Viens à côté de moi, mon garçon. Donc, Nolan, tu as eu 11 ans le 7 mars, c'est ça? Oui. C'est qui ton joueur préféré au FC Nantes? Colomwani. Et qui c'est qui va gagner le match aujourd'hui? Nantes. Le score? 2-0. Les buts? But de Colomwani, Blas. Eh ben c'est parfait ça. Applaudissements s'il vous plaît pour Nolan. 11 ans le 7 mars dernier. Passe un bon match. Et on souhaite également un bon anniversaire à Alic Potvin qui fête ses 45 ans. On l'embrasse également. Jean-Pierre Guillon. Eh oui, Jean-Pierre. Allez, d'ici quelques instants, j'espère qu'on va avoir nos invités. Coco Chenot, normalement, Bernard Blanchet et Gilbert Le Chenadec qui étaient présents lors du premier match du FC Nantes dans l'élite. C'était le 31 août 1963. Puisqu'aujourd'hui, si vous n'étiez pas là au début de ce match, c'est le 2000e match du FC Nantes dans l'élite D1 et Ligue 1 confondu. Et en attendant, on va quand même parler du prochain match après ce Nantes-Angers qui sera un autre derby, le derby de l'Atlantique, puisque le FC Nantes recevra les Girondins de Bordeaux. Ça sera dimanche prochain, le 24 avril à 15h pour la 34e journée, puisque il y avait auparavant, il y aura la journée face à Marseille mercredi soir. Donc des places à partir de 12 euros et 5 euros pour les moins de 18 ans. Et puis vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Et vous avez la possibilité de vous prendre en photo avec ce petit lien rouge que vous avez sans doute vu en fan zone avec le hashtag #FilRougeAFH. On regarde tout de suite un spot vidéo pour la journée mondiale de l'hémophilie. Remonte ton t-shirt s'il te plaît. Ça se passe bien à la maison avec ton papa et ta maman ? Si Lucas est couvert de bleu, ce n'est pas parce qu'il est maltraité. Il est hémophile et il ne le sait pas. L'hémophilie est une maladie grave. Elle est rare. Quant à Léa, elle est hémophile elle aussi. Depuis qu'elle a été diagnostiquée, son traitement lui permet d'avoir une vie normale. L'hémophilie doit être diagnostiquée au plus tôt pour être prise en charge correctement. L'Association française des hémophiles vous aide. Contactez-nous.
Qui peut nous dire si on habite une passoire thermique? Qui fait baisser notre consommation d'énergie? Qui nous conseille pour nos travaux de rénovation thermique? Qui sait où trouver les aides? Et qui s'occupe des démarches à notre place? Isolation, électricité, toiture, ventilation, façade. Mais qui fait les travaux? Qui les fait bien? Qui les garantit? Qui préserve notre confort, notre budget, notre planète? Alors, c'est qui? Préservation du patrimoine? Évidemment. Premier réseau de rénovation énergétique en France. Allez, bientôt le coup d'envoi, chers supporters du FC Nantes, vous le savez, c'est maintenant qu'il faut encourager. Ça commence à présent avec l'hymne à la Beaujoire. Mettez-vous debout, les écharpes, les maillots, les drapeaux, tout ce qui est jaune, tout ce qui est vert. C'est votre moment, c'est à vous. C'est parti pour l'hymne à la Beaujoire. Allez, allez.
Merci chers supporters, et vous le savez, on vous l'a répété tout avant de l'avant-match, c'est le 2000e match du FC Nantes dans l'élite du foot français D1 et Ligue 1 mélangés. Et nous sommes avec trois monuments du football nantais, Bernard Blanchet, Gilbert Le Chenadec et Jean-Claude Thuedo, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Messieurs, vous étiez du premier match le 31 août 1963. Bernard, est-ce que vous vous souvenez contre qui c'était ? Non, pas de souvenir vraiment. Si je vous dis Sedan. Ah oui, d'accord. Et oui, ah oui d'accord, oui, exact. C'était face à Sedan-Torcy et le score c'était 2-2. Ouais, c'était un bon résultat malgré tout. Bernard Blanchet, vous avez fait 392 matchs pour 126 buts. 111 buts en championnat, qui est toujours un record au sein du FC Nantes. Vous êtes champion de France en 1965 et 1966 et 73. Lequel de ces titres a été le plus marquant pour vous ? Ah, je crois que c'était celui de 66, pour moi, personnellement. Pour quelle raison ? Ben, on avait confirmé ce qu'on avait fait l'année d'avant et on avait été quand même un peu plus en difficulté. Mais avec le cœur qu'on avait et puis les joueurs qui étaient présents, on était très très bons. Est-ce que vous avez un souvenir précis de cette saison-là ? Non, pas précis, parce qu'on perd un peu la mémoire, on en fait tellement, puis on n'est pas tout jeune non plus. Hein. Votre pronostic pour le match de ce soir face à Angers ? Oh, ben, j'espère qu'on va gagner quand même. Hein. Contre Angers, ça a toujours été des matchs difficiles. On avait des bons contacts avec les joueurs, avec les entraîneurs et tout, mais il faudra quand même gagner d'abord. Un petit score quand même ? 2-1. 2-1. C'est parfait. Applaudissements pour Bernard Blanchet, s'il vous plaît. On passe le micro à Gilbert Le Chenadec. Gilbert, mettez bien vos mains juste en haut du micro. Voilà, c'est parfait. Vous avez fait 206 matchs pour 10 buts, également champion de France 1965 et champion de France 1966. Quel regard vous portez sur votre carrière, Gilbert ? Ah ben, je pense quand on est arrivé, on est monté en première division, certainement on ne nous attendait pas aussi vite en haut du championnat. Donc c'était très agréable, c'est sûr, d'enchaîner tout de suite un premier titre la deuxième année et un autre titre dans la foulée. Même question que pour Bernard, votre pronostic pour ce soir ? On va les écraser 1-0. On va les écraser 1-0, c'est parfait. Applaudissements pour Gilbert Le Chenadec, s'il vous plaît. Jean-Claude, Coco, venez à côté de moi, qu'on vous voit bien à la caméra. S'il vous plaît, tu dis. S'il vous plaît. Bon. Tenez, prenez le micro. On vous connaît très bien forcément ici à Nantes, Jean-Claude. 275 matchs pour 28 buts. Des titres de champion en tant que joueur, 65-66. Titre de champion en 95, notamment en tant qu'entraîneur. Quel regard vous aussi vous portez sur votre carrière et sur le parcours que vous avez fait et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur ? Ah, mais moi, je suis très content de ma carrière, aussi bien de joueur que d'entraîneur. Mais d'aucuns se rappellent plus ma carrière d'entraîneur que de joueur. Et comment vous l'expliquez ça ? Ah, je sais pas. C'est le jeu à la nantaise que vous aviez mis dans les pieds de ces joueurs de votre effectif ? Non, parce que je crois que j'étais fait pour jouer aussi à la nantaise. Et mes deux joueurs, je suis passé à côté. À côté. Voilà. Alors, même question que pour Gilbert et pour Bernard. Le pronostic cet après-midi ? Nantes. Hein. Nantes. Et le score ? 2-0. 2-0. Et bien, c'est parfait. Merci. Applaudissements pour Jean-Claude Coco Ciodo, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Encore bravo d'avoir été parmi les premiers joueurs dans l'élite ce 31 août 1963. On vous laisse regagner les tribunes. Bon match. Et on vous retrouve tout à l'heure pour le coup d'envoi fictif. Merci beaucoup. C'était un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. On va bientôt raccrocher ce live. On va vous laisser regarder le match si vous êtes chez vous. Et ici, profiter du stade et de l'ambiance avant le début du coup d'envoi d'ici quelques minutes. Prenez soin de vous. On encourage les Canaries. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite du programme. La composition du